Donc, nous sommes d'une famille de vignerons depuis des générations et des générations. Mon père était vigneron dans les Corbières, mon grand-père aussi dans les Corbières maritimes à Morodon, au nord de Narbonne. Et puis au-delà, nous étions d'une région au nord de Bédarieux, une région minière, où l'arrière-grand-père fabriquait des clous. Et donc nous sommes ici au Mas de Perrier. Moi je suis vigneron depuis 26 ans. Et Estelle, ma femme, depuis une quinzaine d'années. Et on est ici dans ce beau domaine depuis 10 ans maintenant. Notre vignoble, il est réparti sur tout un tas de petits territoires autour de Montpellier. Montpellier, c'est cette belle ville, vous la connaissez tous, hein. Il y a son tramway célèbre, il y a son ancien maire décédé depuis peu, Georges Frêche. Et notre vignoble, il est sur l'est montpelliérain, principalement dans le Pic Saint-Loup. Le Pic Saint-Loup, c'est cette belle montagne emblématique que tous les montpelliérains s'identifient, vont balader, vont pique-niquer là-bas. Et donc une partie du vignoble est là-bas. Puis une petite partie du vignoble est maintenant sur la Méjanelle. La Méjanelle, c'est le vignoble de Montpellier. Rabelais venait herboriser sur le vignoble de la Méjanelle. Ce vignoble, malheureusement, il est grignoté petit à petit par la ville, mais c'est un territoire incroyable. C'est un terroir de galets roulés, des beaux cailloux ronds sur des mètres et des mètres d'épaisseur. Et c'est la même origine géologique que Châteauneuf-du-Pape, que la Croix à Châteauneuf. Puis on a une petite partie du vignoble qui est sur un village qui s'appelle Saint-Christol, au nord de Lunel, qui là aussi ses caractéristiques, des sols très très pauvres, argilo-calcaires, des vins denses, rudes, qui explosent le cassis, le bourgeon de cassis. C'est très 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 beau. Et puis ici, sur le domaine même, quelques vignes de grenache noire et de syrah pour montrer un petit peu ce qu'on peut faire dans le grès de Montpellier. Voilà. Just a